Ouais. Le choix des vaches. En fait, on les a choisies parce qu'elles étaient, c'était une race mixte, hein, donc on valorise aussi bien la viande que le lait. C'est une vache très rustique, donc elle veut toute seule bien sûr, hein, mais elle est très, très résistante, elle a une longévité et un écart entre vélages assez exceptionnel. Donc nous on a des vaches qui sont parties qui avaient 16 ans, donc vraiment parce qu'elles ne pouvaient plus avoir de veau. Et alors elles ont tout un nom, nos vaches, elles ont tout un nom, toute une génétique. Il y a des mères, des filles, des sœurs, c'est toute une famille. Et puis, qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Peut-être au niveau technique, les robes. Alors, vous avez là une blanche qui est là, celle qui est en train de se lécher. Là, ça, c'est une caille. On appelle ça une caille. Parce que parfois, on dit des pis noirs, des pis rouges. Mais chez les Normandes, il y a trois robes principales. Vous avez la caille qui est comme ça, avec des taches noires. Ça, c'est Jalouse qu'elle s'appelle. Et alors, vous avez ici Gypsy. Gypsy, c'est une fauve. Donc, c'est vraiment la couleur rouge fauve. Je n'ai pas d'autre... Et la troisième robe, ça serait plutôt comme celle qui est debout. C'est une robe bringée. Et alors la grande caractéristique, c'est ses lunettes. Les lunettes, c'est des vaches à lunettes. Qu'est-ce qu'elles mangent? Alors elles mangent ici, principalement en hiver. Elles ont des carottes de chicon et du maïs. Et ça, c'est le petit à côté. Et alors elles ont énormément de préfanés, donc d'herbages, mais qui ont été enrubanés. Et de luzerne, leur rubanage faisant que ça garde bien sa qualité. Moi, je le vois bien dans la transformation du fromage. Le lait reste quand même assez jaune, il y a quand même encore ce taux de carotène. Et après, elles vont en prairie. On croirait, tiens, elles ont peu pâturé, puisqu'elles n'ont pas eu leur fourrage, elles ont abandonné leur cornadie pour aller se promener en prairie. Eh bien, on a plus de lait. Donc comme quoi le bien-être animal, d'aller courir dans le pré et tout ça, et de jouer, même si elles ont moins ingurgité de fourrage, eh bien fait qu'elles sont bien, et alors elles lâchent du lait, on remarque chaque fois ça. C'est le bon labo. Moi je fabrique là-dedans jusqu'au moment où je pourrais acheter une cuve, parce que c'est pas pour rien. Et donc bon, le fromager est tout bon et tout ça, donc je ne change rien. Voilà, ça c'est les sachets de ferment. C'est très pratique. C'est un sachet pour 100 litres de lait. Pierre Henri traite les vaches le matin. Le lait arrive directement dans le tank et j'ensemence tout de suite avec des ferments. Le but de l'ensemencer directement, c'est de canaliser et de maîtriser l'évolution des bactéries dans le lait. Donc j'ensemence, c'est ça le bon terme. Ça va provoquer dans le lait une hausse d'acidité et qui va permettre après, quand je mettrai ma présure, de cailler le lait très facilement. Et quand j'ai au bout d'une heure, hein, quand la présure a fini d'agir, je peux trancher mon caillé. C'est un flanc, je tranche avec mon tranche caillé ici, à la main, ici. Et j'essaie d'obtenir un caillé qui a une grosseur à peu près d'un grain de maïs pour cette fabrication de fromage de type Saint-Paulin. Ensuite, quand je l'ai tranché, le but c'est d'enlever le maximum de lactosérum. Je vais laver, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais rajouter l'eau à 33 degrés, exactement la même quantité que ce que je viens de soutirer. Et quand je sens que mon cahier est top pour être moulé, je vais commencer le moulage. Alors là, le moulage après, donc j'ai des petits moules et des gros moules, des moules de 500 grammes et 1 kg. Le jus dedans. Sous presse. Et la presse, c'est à peu près 6 heures. Une presse, c'est un système avec, c'est comme un ancien système avec des poulies. Hein. Vous avez des presses pneumatiques. Moi, c'est encore une presse assez archaïque que j'ai récupérée. Et donc, la presse, ça sera à peu près 6 heures. Je laisse reposer le temps que le pH de mon fromage rebaisse. Je vais les retourner 6 fois en tout. Donc, je vais les retourner maintenant. Je vais les retourner vers 13-14 heures de l'après-midi. Là, ça sera vraiment le retournement très important. Là, je vais rajouter un poids. Et alors, vers 4 heures, vers 16 heures, là, je retourne encore une fois et je presse beaucoup plus fort, 2 kilos. Et le lendemain, au bout de 24 heures, je vais le mettre dans la saumure. Ça, c'est très important, la saumure. Donc, avec 20% de sel.
Mon eau est saturée en sel et c'est très important. C'est ça qui va faire la croûte, qui va bien sûr donner goût et qui va bien protéger aussi le fromage en l'évolution dans l'affinage de la cave. Ils redescendront à la cave assez rapidement, où là ils seront vraiment saisis pour être séchés et puis affinés pendant un mois et demi, ça dépend lesquels quel fromage. L'hiver pour comme ça elle se réchauffe. J'espère que et l'idée c'est quand même à 12 degrés et moi c'est on dit toujours 90% d'humidité pour ce fromage là, mais moi c'est plus 80. Moi le jour où je dois pasteuriser, je ne fabrique plus. C'est plus dans mes allez, c'est plus ma philosophie. Alors, et si je continuerai, mais pour moi, le lait pasteurisé, moi, si je pasteurise, j'élimine bien sûr le mauvais, mais j'élimine beaucoup de bons aussi. Et maintenant, il y a quand même des gens, des études qui sont faites, entre autres ici en Belgique, mais je sais que ça se passe en France aussi, et qui vont prouver, parce que je suis certaine, qui vont prouver que le lait cru est sans doute même peut-être mieux, plus facile à gérer que du lait pasteurisé.